Monsieur Benyamina, bonjour. Bonjour, bonjour à vous et à vos auditeurs. Le foncier économique, une nouvelle vision est adoptée par les pouvoirs euh, publics. Une loi a été récemment euh, adoptée. Euh, alors, trois agences devraient gérer le foncier euh, économique euh, ou, ou le foncier de manière globale, le foncier agricole, industriel, touristique. Pour l'heure, c'est l'API, l'agence de, de promotion de l'investissement, l'agence algérienne de la promotion de l'investissement qui gère pratiquement euh, les trois types de fonciers, en plus de, ce, de celui qui est confié donc à deux, aux deux agences du secteur de l'agriculture, donc euh, l'ONTA et euh, l'ODAS pour les grands investissements. Mais pour l'heure, quelle évaluation faites-vous de, de cette nouvelle organisation, si on peut l'appeler comme ça Ça va évaluer une, une approche économique foncière. Euh, C'est un, un peu court dans le temps. Dans le sens où cette, euh, cette agence euh, d'investissement est venue, au fond, construire d'abord, il y a un premier axe construire le portefeuille foncier. Et, et, et la preuve, le, 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 on en parle. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de fonciers qu'on essaye. D'abord des fonciers qu'on essaye de récupérer, des fonciers, des, des fonciers ré, résiduels, des, des, des fonciers supplémentaires, des fonciers spécifiques qui sont là. On construit le, 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 le portefeuille, puis après, à partir de ce portefeuille, on va installer des investissements qu'il qu soit industriel, touristique ou urbain, si on se limite aux, aux trois agences et si on se limite aussi à la définition du foncier économique euh, régi par le texte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est, qui est très très important parce qu'en fin de compte, le, 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 le portefeuille foncier économique euh, est construit de deux volets. D'abord, le foncier économique existant actuellement et le foncier futur, là, que les trois agences vont pouvoir développer chacun dans son secteur. Mais le foncier économique, pour le développer, il faut d'abord un aménagement. Actuellement, à ma connaissance, l'API est en train de consommer le foncier qui existe déjà, qui est tout prêt. Et elle a constitué une cartographie sur une plateforme numérique, fait appel aux investisseurs, les investisseurs ont répondu et chacun a pris, a pris sa, sa parcelle de, de, de terrain pour, pour investir, chacun dans son domaine. Ça, c'est intéressant. Mais l'absent au rendez-vous, c'est cette vue d'ensemble. Parce qu'on ne peut pas parler du foncier économique si on n'a pas, si pas une vue d'ensemble territoriale. Euh, La PIS est un acteur extrêmement important. Et il est rattaché au Premier ministère. Euh, il y aura d'autres trois agences euh, industrielles, touristiques, à défaut de me répéter, et urbaines euh, pour gérer. Mais cette vue d'ensemble, je, je, je réitère à chaque fois ça, l'Algérie a, a, a écrit son histoire sur la vue d'ensemble avec le SNAT, le Schéma National d'Aménagement du Territoire. Et ce schéma, rapidement, il est sur 20 ans, actualisable sur 5 ans. Et le deuxième lien avec ce SNAT, parce que cette loi du Fonds économique n'est pas seule, elle est liée intrinsèquement et d'une manière forte à la loi d'investissement. Cette loi d'investissement, elle est sur 10 ans. Et c'est pour ça que tous les projets d'investissement sur les délais sont liés à la loi d'investissement qui est sur 10 ans, 10 ans des projets structurants et 5 ans sur des projets euh, prioritaires. Donc, en fin de compte, cette vue d'ensemble, elle est composée du SNAT qui est la vision macro et la vision d'ensemble. C'est à partir de là qu'on décide des pôles, qu'on décide des zones, qu'on décide des projets structurants, la loi d'investissement. Et cette loi du foncier économique. Alors nous allons revenir justement sur le Snat, le Schéma National d'Aménagement euh, du Territoire. Mais avant, concernant cette offre foncière, vous dites qu'aujourd'hui euh, l'API euh, gère donc euh, ou distribue un foncier qui est déjà existant. Mais il y a d'autres agences, vous les avez citées, qui sont censées être créées que la loi euh, donc euh, crée quelque part. Elles n'ont pas encore vu le jour. Un retard est accusé à ce niveau-là. Est-ce que ça freine justement? Le, 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 la distribution, la gestion du foncier. Alors, non seulement ça freine, mais elle bloque la synergie. Parce qu'une économie, c'est un ensemble de portefeuilles fonciers, chacun dans son secteur. Et il y a d'autres secteurs aussi qui, qui ne sont pas cités dans le foncier économique, qui sont gérés autrement. Mais euh, l'absence de cette synergie, elle crée une discordance au niveau de l'économie. Parce que pourquoi Si, le, si on n'a pas, on n'a pas encore un acteur dynamique. Je dis bien un acteur dynamique, deux ou trois ou quatre, mais l'essentiel c'est la dynamique qui aménage des terrains rapidement, qui les met en synergie par rapport à d'autres terrains qui sont distribués. Et je dis encore mieux, il y a des terrains. Qui ont été déjà donnés auparavant, avant cette loi d'investissement, et qui étaient, qui étaient bloqués, freinés, qui n'ont pas respecté. Il ce portefeuille foncier, il est à gérer ah, autrement, et il reste sous la coupe de l'ancienne loi. Donc, vous voyez, parce qu'en fin de compte, le territoire algérien, faites le loi le fait les lois que vous voulez, mais on ne peut pas le scinder. Il faut toujours une vie d'ensemble. Donc, ce retard va causer un problème de synergie. Parce qu'en fin de compte, c'est quoi ces fonciers économiques À la fin, ils terminent pour donner une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, le, les de, le total des valeurs ajoutées, c'est quoi C'est le produit inter, intérieur brut que le président de la République vise. Donc, quand on le vise et on arrête une loi d'investissement sur 10 ans, et il y a ce décalage, maintenant ce PIB ne va pas venir au rendez-vous, il risque de ne pas venir au rendez-vous. Alors, vous avez parlé d'un foncier euh, économique qui reste encore sous la coupe ou qui reste encore, qui répond à l'ancienne loi ou qui reste euh, oui. quelque part coincé, dans, si on peut utiliser le mot, euh, par cette loi. Pourquoi il n'est pas régi Que qu stipule la nouvelle loi par rapport à ces assiettes foncières, ah, euh, M. Beniamina au, au fin de compte, cette loi, elle est là, elle est venue traiter un territoire et un foncier économique. Et on affronte une réalité. Une réalité, il y a un portefeuille foncier qui était en souffrance, quelle que soit la nature du problème. C'est un grand sujet. Et elle est venue installer une nouvelle approche pour distribuer le foncier à travers une plateforme numérique et plus de transparence. Et elle est venue aussi à aller vers d'autres portefeuilles fonciers et les aménager. Donc cette loi... Elle est là pour cadrer tous ces types de fonciers. Pourquoi elle tient compte de, 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 des anciens Parce qu'elle ne les laisse pas, elle ne doit pas les laisser, parce que c'est toujours des projets économiques qui vont s'intégrer et donner cette synergie dont je parlais tout à l'heure. Sur le principe, c'est bon. Mais sur la pratique, euh, est-ce qu'on a les outils nécessaires Et quelles étaient les contraintes d'avant pour que ces problèmes aient été posés parce que, est-ce que ces problèmes ne vont pas, je me pose des questions, hein, on va les développer si vous permettez, c'est-à-dire, est-ce que, est -ce que ces problèmes ne vont pas encore être posés euh, Sincèrement, moi, en tant qu'expert dans le domaine, je dirais qu'il y, qu y a une approche euh, qui fait défaut. C'est, on parle du foncier économique, mais on ne parle pas de l'économie foncière. Et on ne parle pas de l'économie immobilière. Euh, Permettez-moi de lever une nuance chez les auditeurs très rapidement. Les gens, dès qu'on dit immobilier, ils pensent au logement. Non il y a l'immobilier résidentiel, l'immobilier commercial, l'immobilier industriel, l'immobilier touristique, et, et y, qui y réponde, compris l'immobilier de loisirs. Donc quand on parle d'industrie, on démarre d'un levier foncier, mmh. on construit un bâti, et à la fin, on termine avec un immobilier industriel productif qui fait de la valeur ajoutée et qui nous qu rapporte du PIB. Alors, juste pour euh, pour tirer au clair, si on peut dire cette euh, histoire du foncier qui dépend donc de la nouvelle loi. Vous dites que euh, de l'ancienne loi, pardon. Vous dites que la nouvelle loi apporte une nouvelle vue. Alors, pour ce foncier, on sait qu'il y a des assiettes qui sont récupérées. Vous dites qu'il y a un manque aujourd'hui euh, de moyens. Euh, Qu'est-ce que vous entendez par manque de moyens Est-ce qu'on n'arrive pas à récupérer On n'arrive pas à viabiliser arrive... Qu'est-ce qui pose problème exactement euh, D'abord, notre territoire est vaste. Et, et, et le foncier, à travers son histoire, on a composé plusieurs portefeuilles. Parce que vous, nous avons le foncier des entreprises dissoutes, nous avons le foncier supplémentaire, le foncier qui n'est pas utilisé par les entreprises actuelles. Nous avons plusieurs, plusieurs fonciers. Juste un éclaircissement par rapport à l'ancien. L'ancien, il obéissait à l'ancienne loi. Donc il peut pas, euh, donc il reste jusqu'à présent régi par la loi. Mais il y a un point, c'est que l'ancien foncier est en souffrance, à défaut de me répéter. Et euh, dans, cette, dans cette dans ce montage euh, d'acteurs, nous avons trois. Nous avons l'API, nous avons les wilayas à travers le Wali et les commissions, et nous avons les domaines. Donc, les Walis doivent tous suivre ces projets et assainir ces situations des, des anciens fonciers. Pourquoi on veut les assainir C'est pas parce qu'on veut assainir le foncier, non. Parce qu'on veut, on veut structurer la production industrielle. C'est pour ça, à, à un moment donné, il ne faut pas se perdre. On est en train d'assainir c'est comme si l'objectif de la. ça permettra de dégager de nouvelles assiettes, de nou une nouvelle offre non, foncière Non, ça se permettra de dégager de nouvelles unités productrices. C'est ça, l'objet de l'assainissement n'est pas en lui-même. C'est pour ça que euh, je me rappelle d'une petite histoire très rapide du président de la République. Il a parlé d'un empiètement de de N°50 qui bloquait toute une industrie parce qu'il peut pas y avoir, il peut pas avoir la conformité. On va en parler tout à l'heure. Alors euh, juste euh, donc euh, on a parlé un peu de vous avez parlé des pôles ou de, de des pôles de production qui sont euh, qui existent dans la vision euh, du globale euh, des, des différentes lois. On parle aujourd'hui de du rôle de l'API, justement, qui est censé mettre en place un plan national d'investissement qui va guider, donc, quelque part, la distribution du foncier, la viabilisation, toutes ces opérations qui donnent, quelque part, le là pour euh, régler euh, ou pour avoir une situation euh, claire et nette concernant le foncier. Aujourd'hui, l'outil n'est pas encore disponible. Est-ce est que c'est ça Oui. C'est le SNAT, exact. mais la vision, la stratégie nationale d'investissement n'est pas encore disponible. Est-ce que ça freine quelque part également? C'est pas est ce que ça freine, mais est-ce que on n'arrive pas à avoir de la visibilité quant à l'offre foncière, justement à cause de l'absence de cette stratégie ou de ce plan, pardon? Alors, il y a absence, mais pas de stratégie. Absence d'application concrète du SNAT. Le SNAT, c'est la stratégie nationale du développement économique Du territoire algérien. Euh, il existe depuis des années. Il s'est développé sur 20 ans. Il se termine en, 30, en, en 2030. Actualisable sur 5, années, sur, sur 5 ans. Chaque 5 ans. Il, est, il a été actualisé. L'actualisation est prête à sortir. La stratégie, madame, elle est claire. La vision, elle est claire. La cartographie sur, sur le Sud, le Petit Sud, le Grand Sud, le Tel et, et les Hauts-Plateaux, elle est là. Mais ce qui n'est pas là, parce qu'en en fin de compte, la mission du Sénat c'est quoi C'est coordonner entre tous les différents secteurs. Monsieur Benyamina, nous avons parlé donc de euh, cette question de spécificité des différents territoires, de cette cartographie qui est censée être euh, ou, ou quand, que les différentes agences doivent mettre en place pour avoir de la visibilité, euh, notamment pour la distribution et la gestion euh, du foncier. Cette cartographie, vous dites, le SNAT la représente bien, mais les plans ne suivent pas forcément Exactement, parce que le SNAT, en fait, quand il présente la stratégie. Et cette stratégie, elle, est, elle a été clairement développée sur un travail qui a été fait sur de longues années. Et, mais, mais les plans territoriaux n'existent pas. Et c'est pour ça que ce soit l'API ou autre, quand il va sur, sur une wilaya ou des wilayas, et il se retrouve diminué de cet outil du plan territorial. Donc qu'est-ce qui se passe L'Ouali va proposer des fon du foncier et on essaye de trouver euh, de bonnes idées pour investir. À très très court terme, ça paraît bien. Mais à, à moyen terme, on va avoir un décalage économique qui, qui, qui m'inquiète autant qu'expert. Pourquoi Parce qu'en fin de compte, aller sur une stratégie territoriale économique et aller distribuer ses fonciers, euh, bon. Un petit décalage de synergie, il n'y a pas de souci. Déjà, il y a un décalage existant auparavant. Mais euh, on est en train de continuer toujours comme ça. L'actualisation du SNAT, elle y est, elle est prête, mais on ne l'a pas vue concrètement déjà. Donc, euh, cette vision, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est coupée. Elle est interrompue. Juste un point qui, qui est important on a obligation, j'assume ce que je dis, on a obligation, toutes les entreprises nationales, et toutes les administrations ont l'obligation de respecter le Sénat. En 10 secondes. Vous savez c'est quoi le Sénat Une vision stratégique qui descend du haut jusqu'au permis de construire. C'est ça c'est ça un schéma national d'aménagement. Et ce permis de construire qui atterrit chez l'industriel, qui atterrit chez le tourisme. Et c'est pour ça que, que, que l'Algérien, l'investisseur, à un moment donné, il se perd. Et pourquoi ici on fait tourisme tourisme bon, Le tourisme, à la limite, il est un peu, il est un peu guidé. Mais le tourisme, ce n'est pas uniquement la mer. Donc, euh, on a toute une cartographie nationale qui permet cela. Donc, euh, aujourd'hui, vous dites qu'il y a un problème d'application donc en matière de, de ces pôles et de ces pôles et euh, de, de, de ces cartographies qu'on est censé mettre en place. Exactement. Et aujourd'hui, vous avez des opérateurs qui se plaignent, qui vous disent, au-delà de la distribution du foncier, il y a toute cette gestion, toute cette viabilisation euh, qui pose problème. C'est souvent relevé justement par les opérateurs euh, économiques. Est-ce que justement ces problèmes de viabilisation sont liés à cette absence de vision euh, d'ensemble euh, En partie, mais je préfère d'abord développer le point de, de, de ce VRD, de cet aménagement de viabilisation. Ça a été toujours... Le, 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 le géant, le monstre de l'Algérie. L'Algérie a toujours, toujours montré une faiblesse des Quand je dis en, matière... Eh, en matière d'aménagement. Et cette faiblesse, ces faiblesses, au début, était à partir des études faibles. Évaluation budgétaire faible. On avait, on a fait énormément de projets où on était, on était obligé à pomper encore de, 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 de l'argent pour pouvoir reprendre, pour pouvoir terminer la viabilisation. On a connu des projets qui sont terminés sans gaz, sans électricité, sans eau. Donc, c'est ça le, le, deuxième, le deuxième élément. Et là, ça m'inquiète d'abord euh, en tant qu'ingénieur de formation. Pourquoi cette faiblesse sur un créneau euh, qui, est méconnu, qui est connu plutôt depuis la nuit des temps euh, moi je suppose qu'il y, qu y a un deuxième souci, euh, est-ce que l'administration peut prendre en charge cela Est-ce qu'une approche administrative est en mesure de prendre en charge cela Parce qu'en fin de compte, juste le foncier économique et l'économie immobilière à l'intérieur l'intérêt des acteurs, les acteurs, les aménageurs du foncier, c'est ce qu'on est en train de développer maintenant, les, les constructeurs, les bureaux d'études spécialisés, je dis bien spécialisés, nous n'avons pas, j'assume, des bureaux d'études pluridisciplinaires, ça c'est important et c'est cette pluridisciplinarité qui fait défaut donc on se retrouve avec des discordances dans nos études qui vont se répercuter sur les chantiers et par la suite sur les délais et par la suite sur les, les 10 ans deadline arrêtés par la loi d'investissement. Alors vous, vous avez euh, soulevé donc euh, ce, ce problème de gestion et euh, de viabilisation, euh, est-ce que finalement nous avons deux, deux manques ou deux faiblesses qui font qu'aujourd'hui, nous avons du mal à gérer ces, euh, ces, euh, ces histoires de viabilisation. Donc, il y a tout d'abord la cartographie qui est absente. Donc, finalement, les opérateurs ou, euh, en charge de la viabilisation ont du mal à asseoir la visibilité nécessaire. Et de l'autre côté, l'absence d'une entité chargée entièrement de cela. Est-ce qu'on doit aller vers la création Peut-être d'entreprises, d'agences qui, euh, qui aient les prérogatives et les moyens pour prendre en charge ce, ce volet. Vous savez, l'Algérie fait 2 382 000 km. J'apprends rien à l'auditeur. Et aller sur une centralisation de cela, euh, moi je considère que c'est une approche que je ne partage pas. C'est aller vers le développement, la création des entreprises spécialisées dans l'aménagement. Et qu'elles soient on publiques ou privées, absolument. Euh... Qu'elles soient publiques ou privées, le, 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 le privé apporte du PIB, le, le public apporte du PIB et les deux apportent de l'aménagement. Parce qu'on ne peut rien faire, on ne peut pas développer nos territoires si on n'a pas une maîtrise parfaite budgétaire. C'est-à-dire sur le plan évaluation et une maîtrise technique. Mais quand je dis technique par rapport au délai, je peux vous faire quelque chose de, de bien, de correct, qui va tenir, mais dans les délais. Il y a un point qui est très important. Nous avons un territoire qui est sujet de catastrophes naturelles, et qui est sujet d'inondations. Donc attention, il faut avoir vraiment des spécialistes qui connaissent étudier ça, euh, étudier ça voir ça de près, pour pouvoir aménager un territoire qui ne va pas être en souffrance. On ne va pas construire des voies ou des voies ferrées qu'on va les voir euh, être inondées par la suite. On ne va pas construire des zones industrielles qui vont être inondées. On ne va pas construire des postes électriques qui vont être inondés. On est obligé de les arrêter. Donc, c'est ça, cette vision territoriale. Moi, je pense sincèrement, sincèrement euh, il faut aller développer une compétence assez, assez poussée, poussée, poussée un peu plus loin. Euh, euh, et je dirais, je dirais, pour construire l'Algérie, on est mou. Il faut construire des champions des champions en experts, des champions en entreprise, et, et faire, le focus, faire le focus sur des champions en management délai, en management de projet. Et c'est comme ça, parce que c'est pour ça que l'investisseur, il est perdu. Vous savez, on part, on part sur le terrain de saturation. Qui décide de cette saturation Quand on n'a pas la vision globale, on se trompe du taux de saturation. Donc c'est une vision à mettre en place, que ce soit pour la gestion la distribution, mais également pour assurer une disponibilité. Une dernière question, peut-être, Monsieur Beniamina. Il ne nous reste plus euh, beaucoup de temps. La loi, euh, elle prévoit justement euh, pour les opérateurs économiques aujourd'hui, c'est des concessions, mais elle leur permet euh, de passer d'un stade de concession à celui de cession, la question euh, qui se pose aujourd'hui, c'est celle des prix. Est-ce qu'elle est tranchée Est-ce qu'il y a des paramètres Est-ce qu'on a de la visibilité Est-ce qu'ils sont adaptés également aux réalités du marché euh, D'abord, je vais dire une chose. Si on veut construire notre territoire, il faut d'abord évaluer le potentiel de, 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 de ce territoire. Ça, c'est un premier élément. L'expert de l'État, c'est le domaine. C'est le domaine qui évalue ce foncier. À ma connaissance, le domaine ces dernières années ont beaucoup, beaucoup avancé dans la valeur des prix et il s'approche un peu du marché. Et je pense que pour cette affaire de foncier industriel, c'est un coup à deux reprises. On rapproche, mais d'un côté, on veut encourager ces investisseurs. Parce qu'en fait un investisseur, il veut être propriétaire. Mais il y a un élément, il est propriétaire d'une unité de production ou de plusieurs unités de production pour une stratégie nationale. Il n'a pas le droit de changer euh, si la stratégie nationale ne change pas l'utilité de cette zone. Deuxième élément, euh, ce propriétaire aura le droit de vendre. Et si jamais il va vendre, l'Algérie, l'État a un droit de préemption. C'est ce que prévoit la loi actuelle Exactement. exactement. Et ce droit de préemption, c'est un levier de négociation euh, avec, parce que celui qui va vendre, il va se poser la question, et si l'État est preneur, l'État peut prendre et, et, et donner, et donner, et donner à quelqu'un d'autre. Parce que l'objectif, que M. X soit propriétaire ou M. Y, ça, ce n'est pas un problème, ça fait partie de la notion de la propriété, du droit de la propriété. Le plus important, c'est que la synergie de la cartographie, de la zone industrielle, de la stratégie, soit toujours au rendez-vous. Justement, donc, l -l la session... Est-ce que euh, une dernière question, hein, est-ce que juste le fait de céder ces terrains donc qui sont aujourd'hui du domaine privé de l'État de les céder pour qu'ils deviennent propriété privée euh, est ce qu'on ne perd pas la nature des terrains? Non, non, euh, la nature du terrain elle est elle est, elle est cadrée par K charge Carrément, carrément. Au niveau, au niveau de, de, de la possession, elle est arrêtée par le K-charge. Mais attention. Euh... Y compris s'il y a euh, vente, héritage. Non, non, quand vous achetez, vous achetez le terrain et, et ses documents. Et ses documents de droit, vous achetez même, même, même le K-charge. Mais juste une précision, euh, juste pour quitter cette notion avec beaucoup de respect que je dois à chacun quand on cède, le territoire ne se déplace pas, il est toujours là. L'unité de production, elle est toujours là. Le K-charge, elle est toujours là. Et le PIB est toujours là. Ce qui va changer, c'est que le, le, on va changer demain. Au lieu d'être la propriété de M. X qui est l'État, peut-être M. Y qui est le privé. Et même le privé, s'il veut vendre, l'État est toujours là avec ce droit encore à défaut de me répéter... Il y a des garde-fous de, de, aujourd'hui de, garde Absolument. À condition, à condition qu'il soit appliqué. On surveille l'utilisation de, 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 du foncier et on surveille que, 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 que ça continue que demain, on ne modifie pas, on ne fait pas des choses. Une, en tous les cas, une chose est sûre. Euh, toute modification, euh, je quitte un peu la vente, toute modification, si elle n'est pas respectée, il y a des mises en demeure, sinon on va sur la résiliation du contrat. À condition qu'il faut bien respecter cela, ce n'est pas à cause de ce foncier X, non, c'est à cause d'une synergie économique qui est liée au territoire. Merci, euh, M. Monsieur, euh, monsieur Benyamin, on arrive à la fin de notre émission. Merci à vous euh, d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir et d'avoir été en direct avec nous dans les studios d'Alger 3. Merci à vous, chers amis auditeurs, de nous avoir prêté attention. C'est la dernière émission de la semaine. Je vous retrouve à partir de dimanche. Bon week-end à toutes et à tous.